C'est fait sa force, se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review Sommet Fioret aujourd'hui du set Lego Marvel Thor, pardon, Love and Thunder, du Drakkar tout simplement. Voilà, le Drakkar qui sert notamment dans le film, attention spoiler, à tout simplement faire visiter Asgard, New Asgard pardon, au terrain. Voilà, basta. Donc 76-208, vendu, si je ne me trompe pas, 59,99€, avec l'augmentation, je le crains, chez Lego. Donc bah du coup, on va faire le tour. Vu qu'il n'y a pas de minifique, on s'attaque aux chèvres. Voilà. Alors du coup, les chèvres, à part les figurines, c'est pour ça que vous avez craqué, hein, très clairement. Bon, celle-là, elle a rien de... Elle a rien de... Hein, voilà. Elle a rien de spécial. Par contre, franchement, elle est trop stylée. Elle est beaucoup trop stylée, cette chèvre. Donc du coup, ici, c'est imprimé sa tête. Par contre, je crains... Oui, c'est ça. Ici, pour faire le pelage, c'est un sticker, malheureusement. Voilà, les petites patounes, comme ça. Voilà, plutôt cool. Donc, même après... même construction, notamment pour son compère, qui visiblement a une oreille qui rebique. Il est un peu... Ouais, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, quoi. Mais bon, donc la tête, c'est la même construction. Sauf les cornes, du coup, c'est pas... ça j'ai rien dit. C'est exactement la même chose, sauf que les cornes, ça change, du coup. Voilà, donc là, par exemple, c'est les griffes, alors que là, c'est les cornes du masque de la... de la tromperie dans Ninjago saison 8 et 9. Voilà, sinon après c'est la même construction, sauf que les couleurs changent. Pareil, sa tête est imprimée, alors que son pelage c'est un sticker. Elles peuvent du coup toutes deux être clipsées à l'aide des trous qui sont hop, sur leur côté, ici. Et nous envoler vers la suite de la vidéo qui est le Drakkar. Et ben voilà. Alors le Drakkar, que dire sur ce Drakkar? Déjà ici, on peut voir une interprétation de Lego sous le Drakkar tout simplement. Ici, d'essayer de recréer l'espèce de route multicolore en fait tout simplement. Voilà. Ok. Pourquoi pas? Sinon, sur les côtés, on peut voir un trait qui vient de la tête et qui passe sur tout le bateau jusqu'à revenir ici aux têtes de serpent. Et sur les côtés, on a des boucliers, malheureusement c'est des stickers, des espèces de boucliers vikings pour l'aspect asgardien, quoi. C'est plutôt cool. Ici, un sticker Asgard Tour, voilà, pour faire le... voilà. NA021, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et la seule et unique fonctionnalité du set, ah oui, j'ai oublié de le signaler, ici, on a du coup un sticker. Là, on a Stormbreaker, toute nouvelle version hein, par rapport au set d'Infinity War et Endgame, comme vous pouvez le constater, plutôt pas mal. Du coup, qui dans le film, pareil, aide nos héros du coup à voyager. Ensuite, la tête qui est plutôt pas mal faite. Hein, la tête du Drakkar, elle est plutôt pas mal, j'avoue. Ici, hein, vous voyez avec les cornes du casque de samouraï, par exemple, de Pixel. Et surtout, la fonctionnalité du set, ça s'ouvre. Là. Ensuite, préparez-vous, c'était la dernière. Ici, on a du coup une carte de New Asgard, suivie d'après un extincteur et d'un espèce de bâton bizarre. Ici, ça c'est dur à montrer, je suis désolée. Hop, et si on referme, parce que c'était le seul truc qu'il y avait dedans au final, hop, on peut voir un glaive, très certainement pour Valkyrie, et ici une sorte de maillet pour Korn. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout au final. Hein. Le gros, c'est vrai, du set, c'est avant tout les minifigs qui ne sont pas présentes dans cette vidéo, je suis désolée. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse vraiment de voir les figurines, Mighty Thor,
ainsi que Gore. Je vous renverrai vers l'une de mes prochaines vidéos où je vous montrerai le petit set, cette fois-ci avec les filles. Et pour les figurines d'Avatar, les figurines exclusives que sont Korg et Valkyrie, je vous renvoie vers le shop Lego pour les visuels officiels ou carrément vers d'autres confrères youtubeurs. Voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous avez pensé. Et voilà. Du coup, c'était Absolution, je vous aura plu. Qui vous dit bye.